Joseph Armand Bombardier, l'inventeur de renommée internationale. Joseph Armand Bombardier est aussi le premier grand industriel québécois francophone. Né à Valmont, en Australie, il est passionné par la mécanique de son jeune âge. À adolescent, ses parents l'envoient étudier à collège classique dans l'espoir d'en faire un prêtre. Or, Joseph Armand sait qu'il veut être mécanicien et convainc son père de se laisser vivre cette passion. Le métier de mécanicien dans l'année est sans espoir puisque l'hiver. Les voitures doivent être entreposées en raison d'être de routes enneigées. Joseph Armand profite de ce temps d'arrêt forcé pour concevoir des plans de véhicules pouvant glisser sous la neige. Il en fait une obsession et en 1935, il lance le premier véhicule se déplaçant sous la neige à l'aide d'un système de chemise, l'auto-neige, Bombardier. C'est un grand succès. Son garage se transforme en usine de fabrication pour ses bolides où tous les emplois prouvent du volage. Dans les années 1940, le gouvernement du Québec décide que le dénigrement des roues est dorénavant obligatoire.